Ouais, salut les gens, c'est encore moi. Ouais, chez, ça sert encore une fois, ça sert à rien, tout le monde s'en branle, mais je voudrais qu'on m'explique un truc en fait. Et voilà, c'est là, je viens de tomber encore sur une pub YouTube où c'est l'autre, le chef Thierry Marx, le petit chauve là, qui fait une pub pour du cidre. Bon, le gars, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie. Parce qu'en ce moment, c'est la période de la galette, avec la galette, on boit du cidre. Tu vois, voilà, bon, enfin bref. Et l'autre, bon, ben voilà, je vous explique. En fait, l'autre, il arrive. Je vous ai préparé des galettes, voilà. Je vous ai préparé des petits cidres. Alors, bien sûr, il y a toujours le même baratin quand les gens, ils boivent du cidre ou ils boivent du vin, tu vois. Et des notes boisées, des notes nani, des notes nana, des notes patati. Et l'autre, il me sort une expression. Parce qu'après, voilà, chacun, moi, je suis pas expert en vin du tout. Hein. C'est pas du tout mon délire, le vin ni le cidre. Après, je veux bien comprendre qu'il y en a qui trouvent que le vin, il a un goût de banane, un goût de ce que tu veux, je m'en fous. Mais déjà, l'hôtel bois, elle dit, il est élégant. Bon, enfin bref, il est bon ou il est pas bon, mais il est élégant. Voilà, déjà, c'est une sacrée expression, tu vois. Et l'autre, après, il nous sort un truc sorti de nulle part. Il nous sort que son cidre, il est là. Alors, il y a la table, hein, il a tablé, il a un bout de table. Je sais pas, il doit y avoir une petite dizaine de convives. Et l'autre, il est là, il nous sort un truc. Désolé, je rigole, parce qu'il faut qu'on me l'explique, celle-là. Il faut qu'on me l'explique. Il nous sort que son cidre, il a un parti pris de transparence. Désolé, mais j'avais déjà vu cette vidéo, j'étais chez ma femme et on avait rigolé. Et là, je viens de la voir, et franchement, je viens de me taper une barre tout seul comme un connard. C'est pour ça qu'il faut que je fasse la vidéo, parce qu'il faut qu'on m'explique. L'autre, il est là, devant son truc, avec ses couillons, là, devant sa table. Et il est là, il regarde son verre. Ouais, et en plus, personnellement, je trouve qu'il a un parti pris de transparence. Un parti pris de transparence. Du cidre. Donc voilà, je voudrais juste qu'on m'explique. Et le pire de tout, c'est que t'as les gens qui sont en face et qui sont là, qui font... Ouais. Ils sont comme ça, ils sont d'accord. Il a un parti pris de transparence. Du cidre, bordel de merde. Et l'autre, il est là, et il nous sort ça, sa connerie, là. Et les gens, ils sont en face. Ils sont comme ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est d'accord, j'aurais pas dit mieux. Style, l'autre, il dit, ah ouais, franchement, il a trop raison, on voit que c'est un expert. L'autre, du cidre, désolé, je me répète, mais du cidre. Tout le monde voit ce que c'est que du cidre. Il a un parti pris de transparence. Ah gros, elle marche bien ta caisse. Ah ouais, franchement, elle a un parti pris de transparence. Ah non, mais bordel de merde. Donc voilà, donc juste c'est ça en fait, si quelqu'un pouvait m'expliquer, parce que j'ai beau me retourner le crâne, j'ai beau essayer de faire, tu vois, j'ai beau essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire, et j'avoue que perso, j'y arrive pas. Donc voilà, donc si quelqu'un peut m'expliquer, voilà, je sais qu'encore une fois, il y en a qui vont se foutre de ma gueule, mais je m'en bats les couilles, mais l'autre avec son parti pris de transparence pour du cidre. Non mais voilà, donc si quelqu'un pouvait m'expliquer ça, juste ça en fait, voilà, je vous remercie les gens, et voilà, et oui, juste un truc, c'est juste, ça me saoule aussi les gens qui se donnent un genre, tu vois, comme lui, avec son mytho parti pris de transparence, là, voilà, ça arrête de te donner un genre, en gros, arrête de, je sais pas quoi, t'es juste un chef cuistot, ok, tu fais bien manger, mais c'est tout. Tu vois, tu fais pas, tu sauves pas des vies, t'as pas trouvé un remède contre le cancer ou contre le sida, tu vois, donc ferme ta gueule avec ton parti pris de transparence, voilà, prends le parti de fermer ta gueule, s'il te plaît, c'est tout. Voilà, mais si quelqu'un pouvait prendre le parti de m'expliquer, j'avoue que ça m'arrangerait. Voilà, merci les gens et à plus tard.